Chapitre 13. Dans les ténèbres. La première impression de Raoul fut affreuse. Une nuit sans étoiles, lourde, implacable, faite de brume épaisse, une nuit immobile pesait sur le lac invisible et sur les falaises indistinctes. Ses yeux ne lui servaient pas plus que des yeux d'aveugle. Ses oreilles n'entendaient que le silence. Le bruit des cascades ne résonnait plus. Le lac les avait absorbées. Et dans ce gouffre insondable, il fallait voir, entendre, se diriger et atteindre le but. Les vannes, où pas une seconde il y avait songé réellement, c'eût été de la folie de jouer au jeu mortel de les chercher. Non, son objectif, c'était de rejoindre les deux bandits. Or, il se cachait, redoutant sans doute une attaque directe contre un adversaire tel que lui, qui se tenait prudemment dans l'ombre, armés de fusils et tout leur sens aux aguets. Mais où les trouver? Sur le rebord supérieur de la plage, l'eau glacée lui recouvrait la poitrine et lui causait une telle souffrance qu'il ne considérait pas comme possible de nager jusqu'à l'écluse. D'ailleurs, comment est-il pu manœuvrer cette écluse sans connaître l'emplacement du mécanisme? Il longea la falaise en tâtonnant, gagna les marches submergées et arriva au sentier qui s'accrochait à la paroi. L'ascension était extrêmement pénible. Il interrompit tout à coup. Au loin, à travers la brume, une faible lumière brillait. Où, oh, impossible de le préciser. Était-ce sur le lac, au haut des falaises? En tout cas, cela venait d'en face, c'est-à-dire des environs du défilé, c'est-à-dire de l'endroit même d'où les bandits avaient tiré et où l'on pouvait supposer qu'ils campaient. Et cela ne pouvait pas être vu de la grotte, ce qui montrait leur précaution et ce qui constituait une preuve de leur présence. Raoul hésita. Devait-il suivre le chemin de terre, subir tous les détours des pics et des vallonnements, monter sur des roches, descendre dans des creux d'où il perdrait de vue la précieuse lumière? C'est en songeant à Aurélie, emprisonnée au fond du terrifiant sépulcre de granit, qu'il prit sa décision. Vivement, il dégringola le sentier parcouru et se jeta d'un élan à la nage. Il crut qu'il allait suffoquer. La torture du froid lui paraissait intolérable. Bien que le trajet ne comportât pas plus de 200 à 250 mètres, il fut sur le point d'y renoncer, tellement cela semblait au-dessus des forces humaines. Mais la pensée d'Aurélie ne le quittait pas. Il la voyait sous la voûte impitoyable. L'eau poursuivait son œuvre féroce que rien ne pouvait arrêter ni ralentir. Aurélie en percevait le chuchotement diabolique et sentait son souffle glacial. Quelle ignominie! Il redoublait d'efforts. La lumière le guidait comme une étoile bienfaisante, et ses yeux la considéraient ardemment, comme s'il eût peur qu'elle ne s'évanouît subitement sous l'assaut formidable de toutes les puissances de l'obscurité. Mais d'autre part, est-ce qu'elle n'annonçait pas que Guillaume et Jodot étaient à l'affût, et que, tournés et baissés vers le lac, elle leur servait à fouiller du regard la route par où l'attaque aurait pu se produire? En approchant, il éprouvait un certain bien-être, dû évidemment à l'activité de ses muscles. Il avançait à large brassée silencieuse. L'étoile grandissait, doublée par le miroir du lac. Il obliqua hors du champ de clarté. Autant qu'il put en juger, le poste des bandits était établi en haut d'un promontoire qui empiétait sur l'entrée du défilé. Il se heurta à des récifs, puis il rencontra une berge de petits galets où il aborda. Au-dessus de sa tête, mais plutôt vers la gauche, des voix murmuraient. Quelle distance le séparait de Jodot et de Guillaume?
Comment se présentait l'obstacle à franchir? Muraille à pic ou pente accessible? Aucun indice. Il fallait tenter l'escalade au hasard. Il commença par se frictionner vigoureusement les jambes et le torse avec de petits graviers secs dont il remplit sa main. Puis il tordit ses vêtements mouillés, qu'il remit ensuite, et bien dispos, il se risqua. Ce n'était ni une muraille abrupte, ni une pente inaccessible. C'était des couches de roc superposées comme les soubassements d'une construction cyclopéenne. On pouvait donc grimper, mais grâce à quels efforts, à quelle audace, à quelle gymnastique périlleuse. On pouvait grimper, mais les cailloux auxquels les doigts tenaces s'agrippaient comme des griffes sortaient de leurs alvéoles, les plantes se déracinaient et là-haut, les voix devenaient de plus en plus distinctes. En plein jour, jamais Rowan n'eût tenté cette entreprise de folie. Mais le tic-tac ininterrompu de sa montre le poussait comme une force irrésistible. Chaque seconde qui battait ainsi près de son oreille, c'était un peu de la vie d'Aurélie qui se dissipait. Il fallait donc réussir. Il réussit. Soudain, il n'y eut plus d'obstacle. Un dernier étage de gazon couronnait l'édifice. Une lueur vague flottait dans l'ombre comme une nuée blanche. Devant lui se creusait une dépression, un terrain en cuvette, au centre duquel s'écroulait une cabane à moitié démolie. Un tronc d'arbre portait une lanterne fumeuse. Sur le rebord opposé, deux hommes lui tournaient le dos, étendus à plat ventre, penchés vers le lac, des fusils et des revolvers à portée de leurs mains. Près d'eux, une seconde lumière provenant d'une lampe électrique, celle dont la lueur avait guidé Raoul. Il regarda sa montre et tressaillit. L'expédition avait duré 50 minutes, beaucoup plus longtemps qu'il ne le croyait. J'ai une demi-heure tout au plus pour arrêter l'inondation, pensa-t-il. Si dans une demi-heure je n'ai pas arraché à Jodo le secret des vannes, je n'ai plus qu'à retourner près d'Aurélie, selon ma promesse, et mourir avec elle. Il rampa dans la direction de la cabane, cachée par les hautes herbes. Une douzaine de mètres plus loin, Jodo et Guillaume causaient en sécurité absolue, assez haut pour qu'il reconnût leur voix, pas assez pour qu'il recueillît une seule parole. Que faire? Raoul était venu sans plan précis et avec l'intention d'agir selon les circonstances. N'ayant aucune arme, il jugeait dangereux d'entamer une lutte qui, somme toute, pouvait tourner contre lui. Et d'autre part, il se demandait si, en cas de victoire, la contrainte et les menaces détermineraient un adversaire comme Jodo à parler, c'est-à-dire à se déclarer vaincu et à livrer des secrets qu'il avait eu tant de mal à conquérir. Il continua donc de ramper avec des précautions infinies et dans l'espoir qu'un mot surpris pourrait le renseigner. Il gagna 2 mètres, puis 3 mètres. Lui-même, il ne percevait pas le froissement de son corps sur le sol, et ainsi il parvint à un point où les phrases prenaient un sens plus net. Jodo disait: Eh, te fais donc pas de bile, sacrebleu! Quand nous sommes descendus à l'écluse, le niveau atteignait la côte 5, qui correspond au plafond de la grotte, puisqu'il n'avait pas pu sortir. Oh, leur affaire était déjà réglée. Sûr et certain, comme 2 et 2 font 4. Tout de même, fit Guillaume, vous auriez dû vous établir plus près de la grotte et de là les épier. Et pourquoi pas toi, galopin? Moi, avec mon bras encore tout raide, oh, c'est tout au plus si j'ai pu tirer. Et puis t'as peur de ce bourreau-là, ben, vous aussi, Lono. Je dis pas non, oh, j'ai préféré les coups de fusil et le truc de l'inondation, puisqu'on avait les cahiers du vieux Talancet.
Jodo, ne prononcez pas ce nom-là. La voix de Guillaume faiblissait. Jodo ricana, poule bouillée, va. Mais rappelez-vous, Jodo, à mon retour à l'hôpital, quand vous êtes venu vous trouver, maman vous a répondu, soit, vous savez où ce diable d'homme, ce limésie de malheur, a niché Aurélie, et vous prétendez qu'en le surveillant, on ira jusqu'au trésor, soit, que mon garçon vous donne un coup de main, mais pas de crime, n'est-ce pas, pas de sang. Mais il n'y a pas eu une goutte, dit Jodo d'un ton goguenard. Oui, vous savez ce que je veux dire, ce qu'il est advenu de ce pauvre homme. Quand il y a mort, il y a crime. C'est comme pour Livesey et pour Aurélie, il direz-vous qu'il n'y a pas crime? Alors quoi, il fallait abandonner toute cette histoire. Crois-tu qu'un type comme Livesey t'aurait cédé la place comme ça, pour tes beaux yeux? Tu le connais pourtant, le damné personnage, il t'a cassé un bras, il aurait fini par te casser la gueule. Lui ou nous, c'était à choisir. Mais Aurélie, oh, les deux font la paire. Pas moyen de toucher à l'un sans toucher à l'autre. Mais là, malheureux. Et après, veux-tu le trésor, oui ou non? Ça se gagne pas en fumant sa pipe des machines de ce calibre-là. Cependant, tu as vu le testament du marquis. Aurélie, héritière de tout le domaine de Juvin. Alors, qu'aurais-tu fait? L'épouser, peut-être? Pour se marier, il faut être deux, mon garçon. Et j'ai idée que le sieur Guillaume. Alors? Ben alors, mon petit, voilà ce qui se passera. Demain, le lac de Juvin redeviendra comme avant, ni plus ni plus bas. Après-demain, pas plus tôt, puisque le marquis le leur a défendu, les bergers appliquent. On trouve le marquis mort d'une chute dans un ravin du défilé, sans que personne puisse supposer qu'une main secourable lui a donné le petit coup qui fait perdre l'équilibre. Donc, succession ouverte. Pas de testament, puisque c'est moi qui l'ai. Pas d'héritier, puisqu'il n'a aucune famille. En conséquence, l'État s'empare légalement du domaine, et dans 6 mois, la vente, et nous achetons. Mais avec quel argent? 6 mois pour en trouver, ça suffit, dit Jodo, l'intonation sinistre. D'ailleurs, que vaut le domaine pour qui ne sait pas? Mais s'il y a des poursuites, contre qui? Ben, contre nous. À propos de quoi? Ben, à propos de Limésie et d'Aurélie. Limésie, Aurélie, mais noyée, disparue, introuvable. Introuvable, on les trouvera dans la grotte. Ben non, car nous y passerons demain matin, et deux bons galets attachés aux jambes, ils iront au fond du lac, ni vu ni connu. Et l'auto de Limésie, dans l'après-midi, nous filons avec, de sorte que personne ne saura même qu'ils sont venus de ce côté. On croira que la petite s'est fait enlever de la maison de santé par son amoureux, et qu'il voyage on ne sait où. Voilà mon plan, qu'est-ce que t'en dis? Excellent, vieille canaille, dit une voix près d'eux. Seulement, il y a un accroc. Ils se retournèrent dans un sursaut d'effroi. Un homme était là, accroupi à la manière arabe, un homme qui répéta. Ah oui, un gros accroc, car enfin, tout ce joli plan repose sur des actes accomplis. Or, que devient-il si le monsieur et la dame de la grotte ont pris la poudre d'escampette? Leurs mains cherchaient à tâtons les fusils, les Browning. Plus rien. Des armes, pourquoi faire? Dit la voix gouailleuse. Ce que j'en ai, moi, un pantalon mouillé, une chemise mouillée, un poids, c'est tout. Des armes, entre braves gens comme nous. Jodo et Guillaume ne bougeaient plus, interloqués. Pour Jodo, c'était l'homme de Nice qui réapparaissait. Pour Guillaume, l'homme de Toulouse. Et surtout, c'était l'ennemi redoutable dont il se croyait débarrassé et dont le cadavre. Ma foi, oui, dit-il en riant et en affectant l'insouciance. Ma foi, oui, vrai vivant.
La côte numéro 5 ne correspond pas au plafond de la grotte. Et d'ailleurs, si vous imaginez que c'est avec de petits trucs de ce genre qu'on a raison de moi. Vivant, mon vieux Jeannot, et Aurélie aussi. Elle est bien à l'abri, loin de la grotte, et pas une goutte d'eau sur elle. Donc nous pouvons causer. Du reste, ce sera bref. 5 minutes, pas une seconde de plus. Tu veux bien? Jeannot se taisait, stupide, effaré. Raoul regarda sa montre et paisiblement, nonchalamment, comme si son cœur n'avait pas sauté dans sa poitrine étreinte par une angoisse indicible, il reprit. Ben voilà, ton plan ne tient plus. Dès l'instant où Aurélie n'est pas morte, elle hérite et il n'y a pas de vente. Si tu la tues et qu'il y ait vente, moi je suis là et j'achète. Il faudrait me tuer aussi, pas possible. Invulnérable. Donc, tu es coincé. Un seul remède. Il fit une pause. Jeannot se pencha. Il y avait donc un remède? Oui, il y en a un, prononça Raoul, un seul. T'entendre avec moi. Le veux-tu? Jeannot ne répondit point. Il s'était accroupi à 2 pas de Raoul et fixait sur lui des yeux brillants de fièvre. Ah, tu réponds pas, mais tes prunelles s'animent. Je les vois qui brillent comme des prunelles de bête fauve. Si je te propose quelque chose, c'est que j'ai besoin de toi. Pas du tout, j'ai jamais besoin de personne. Seulement depuis 15 ou 18 ans, tu poursuis un but que tu es tout près d'atteindre. Et cela te donne des droits, des droits que tu es résolu à défendre par tous les moyens, assassinat compris. Bien ces droits, je te les achète, car je veux être tranquille et qu'Aurélie le soit aussi. Un jour ou l'autre, tu trouverais moyen de nous faire un mauvais coup. Je ne veux pas. Combien demandes-tu? Jeannot semblait se détendre, il gronda. Proposer? Ben voici, dit Raoul. Comme tu le sais, il ne s'agit pas d'un trésor dont chacun veut prendre sa part, mais d'une affaire à mettre debout, d'une exploitation dont les bénéfices seront considérables, dit Jeannot. Je te l'accorde. Aussi, mon offre est en rapport. 5 000 francs par mois. Le bandit sursauta, ébloui par un tel chiffre. Pour tous les deux? Oh, 5 000 pour toi et 2 pour Guillaume. Celui-ci ne put s'empêcher de dire, oh, j'accepte. Et toi, Jeannot? Peut-être, fit l'autre, mais il faudrait un gage, une avance. Un trimestre, ça va-t-il? Eh bien, demain, à 3 heures, rendez-vous à Clermont-Ferrand, place de Jaune et remise d'un chèque. Oui. Dit Jeannot qui se méfiait. Mais rien ne me prouve que demain le barreau de Limésy ne me fera pas arrêter. Ah non, car m'arrêterait en même temps. Vous? Ah parbleu, la capture serait meilleure que tu ne supposes. Puis qui êtes-vous? Arsène Lupin. Le nom eut un effet prodigieux sur Jeannot. Il s'expliquait maintenant la ruine de tous ses plans et l'ascendant que cet homme exerçait sur lui. Et Raoul répéta: Oui, Arsène Lupin, recherché par toutes les polices du monde. Plus de 500 vols qualifiés, plus de 100 condamnations, tu vois, on est fait pour s'entendre. Je te tiens, mais tu me tiens, et l'accord est signé, j'en suis sûr. J'aurais pu tout à l'heure te casser la tête. Non, je m'entends une transaction. Et puis je t'emploierai au besoin. Tu as des défauts, mais de rude qualité. Ainsi, la manière dont tu m'as filé jusqu'à Clermont-Ferrand, c'est de premier ordre, puisque je n'ai pas encore compris. Donc, tu as ma parole et la parole de Lupin, oh, c'est de l'or, ça colle? Jeannot consulta Guillaume à voix basse et répliqua: Oui, nous sommes d'accord, que voulez-vous?
Wow, mais rien du tout, mon vieux, dit Raoul, toujours insouciant. Je suis un monsieur qui cherche la paix et qui paye ce qu'il faut pour l'obtenir. On devient des associés, voilà le vrai mot. Si tu désires verser dans l'association dès aujourd'hui une part quelconque à ta guise, tu as des documents? Considérable, les instructions du marquis, rapport au lac. Ben évidemment, puisque tu as pu fermer l'écluse. Mais elles sont détaillées, ces instructions? Oui, 5 cahiers d'écriture fine. Et tu les as là? Oui, j'ai le testament aussi en faveur d'Aurélie. Alors donne. Oh, demain, contre l'échec, déclara Jaune honnêtement. Bah, entendu, demain, contre l'échec. Serrons-nous la main, ce sera la signature du pacte, et séparons-nous. Une poignée de main fut échangée. Adieu, dit Raoul. L'entrevue était finie, et cependant la vraie bataille allait se livrer en quelques mots. Toutes les paroles prononcées jusque-là, toutes les promesses, autant de balivernes propres à dérouter Jodo. L'essentiel, c'était l'emplacement des vannes. Jodo parlerait-il? Jodo devinerait-il la situation véritable, la raison sournoise de la démarche faite par Raoul? Jamais Raoul ne s'était senti à ce point anxieux. Il dit négligemment: J'aurais bien aimé voir la chose avant de partir. Tu pourrais pas ouvrir les vannes d'écoulement devant moi? Jodo objecta. Ben, c'est qu'il faut, d'après les cahiers du marquis, 7 à 8 heures pour que les vannes opèrent jusqu'au bout. Eh bien, ouvrez-les tout de suite. Demain matin, toi d'ici, Aurélie et moi de là-bas, on verra la chose, c'est-à-dire les trésors. C'est tout près, n'est-ce pas, les vannes, au-dessous de nous, près de l'écluse. Oui. Bien, sentier direct, oui. Tu connais le maniement? Facile, les cahiers l'indiquent. Ben, descendons, proposa Raoul, je vais te donner un coup de main. Jodo se leva et prit la lampe électrique. Il n'avait pas flairé le piège. Guillaume le suivit. En passant, ils aperçurent les fusils que Raoul, au début, avait attirés près de lui et poussés un peu plus loin. Jodo mit l'un d'eux en bandoulière, Guillaume également. Raoul, qui avait saisi la lanterne, emboîta le pas aux deux bandits. Cette fois, se disait-il avec une allégresse qu'eût trahi l'expression de son visage, cette fois nous y sommes. Quelques convulsions peut-être encore, mais le grand combat est gagné. Ils descendirent. Au bord du lac, Jodo s'orienta sur une digue de sable et de gravier qui bordait le pied de la falaise, contourna une roche qui masquait une anfractuosité assez profonde où une barque était attachée, s'agenouilla, déplaça quelques gros cailloux et découvrit un alignement de 4 poignées de fer que terminaient 4 chaînes engagées dans des tuyaux de poterie. Ben c'est là, tout à côté de la manivelle de l'écluse, dit-il. Les chaînes actionnent les plaques de fonte posées au fond. Il tira l'une des poignées, Raoul en fit autant, et il eut l'impression immédiate que la commande se transmettait à l'autre bout de la chaîne et que la plaque avançait. Les 2 autres épreuves réussirent également. Il y eut dans le lac, à quelque distance, une série de petits bouillonnements. La montre de Raoul marquait 9 h 25. Aurélie était sauvée. Prête-moi ton fusil, dit Raoul, ou plutôt non, tire toi-même 2 coups. Pourquoi faire? C'est un signal. Un signal?
Oui, j'ai laissé Aurélie dans la grotte, laquelle est presque remplie d'eau, et tu te rends compte de son épouvante. Alors, en la quittant, j'ai promis de l'avertir, par un moyen quelconque, dès qu'elle n'aurait plus rien à craindre. Jeannot fut stupéfait. L'audace de Raoul, cet aveu du danger que courait encore Aurélie le confondait, et en même temps augmentait à ses yeux le prestige de son ancien adversaire. Pas une seconde, il ne songea à profiter de la situation. Les deux coups de fusil retentirent parmi les rocs et les falaises. Et tout de suite, Jodo ajouta: Maintenez, vous êtes un chef, vous. Il n'y a qu'à vous obéir et sans barguigner. Voici les cahiers, voici le testament du marquis. Un bon point, s'écria Raoul, qui empocha les documents. Je ferai quelque chose de toi. Pas un honnête homme, ça, jamais, mais une fripouille acceptable. Tu n'as pas besoin de cette barque. Moi, non. Mais elle me sera commode pour rejoindre Aurélie. Ah, un conseil encore. Ne vous montrez plus dans la région. Si j'étais de vous, je filerais cette nuit jusqu'à Clermont-Ferrand. Allez, à demain, camarade. Il monta dans la barque et leur fit encore quelques recommandations. Puis Jodo enleva l'amarre. Raoul partit. Quels braves gens! Se dit-il en ramant avec vigueur. Dès qu'on s'adresse à leur bon cœur, à leur générosité naturelle, ils marchent à fond. Bien sûr, camarade, que vous les aurez les deux chèques. Bon, je ne garantis pas qu'il y ait encore une provision à mon compte, l'imésime, mais vous les aurez tout de même et signez loyalement, comme je l'ai juré. 250 mètres avec de bons avirons, et après une expédition aussi féconde en résultats, ce n'était rien pour Raoul. Il atteignit la grotte en quelques minutes et y pénétra directement, proue en avant et lanterne sur la proue. Victoire! s'exclama-t-il. Vous avez entendu mon signal, Aurélie? Victoire! Une clarté joyeuse emplit le résidu exigu où ils avaient failli trouver la mort. Le hamac traversait d'un mur à l'autre. Aurélie dormait paisiblement. Confiante en la promesse de son ami, convaincue que rien ne lui était impossible, échappant aux angoisses du danger et aux affres de cette mort tant désirée, elle avait succombé à la fatigue. Peut-être aussi avait-elle perçu le bruit des deux détonations, en tout cas, nul bruit ne la réveilla. Lorsqu'elle ouvrit les yeux le lendemain, elle vit des choses surprenantes dans la grotte où la lumière du jour se mêlait à la clarté d'une lanterne. L'eau s'était écoulée. Au creux d'une barque, appuyée contre la paroi, Raoul, vêtu d'une houppelande de berger et d'un pantalon de toile qu'il avait dû prendre sur la planche, parmi les effets du vieux marquis, dormait aussi profondément qu'elle avait dormi. Durant de longues minutes, elle le contempla d'un regard affectueux où il y avait une curiosité réfrénée. Mais qui était cet être extraordinaire? Dont la volonté s'opposait aux arrêts du destin et dont les actes prenaient toujours un sens et une apparence de miracle. Elle avait entendu, sans aucun trouble d'ailleurs que lui importait, l'accusation de Marescal et le nom d'Arsène Lupin lancé par le commissaire. Mais devait-elle croire que Raoul n'était autre qu'Arsène Lupin? Mais qui es-tu? Toi que j'aime plus que ma vie, pensait Aurélie. Mais qui es-tu, toi qui me sauves incessamment, comme si c'était ton unique mission? Mais qui es-tu? L'oiseau bleu. Raoul se réveillait, et l'interrogation muette d'Aurélie était si claire qu'il y répondait sans hésitation. Oui, l'oiseau bleu, chargé de donner le bonheur aux petites filles sages et confiantes, de les défendre contre les ogres et les mauvaises fées, et de les conduire dans leur royaume. J'ai donc un royaume, mon bien-aimé Raoul. Oui, à l'âge de 6 ans, vous vous y êtes promené. Il vous appartient aujourd'hui de par la volonté d'un vieux marquis.
Oh, vite, Raoul, vite, que je vois, ou plutôt que je revois. Mangeons d'abord, dit-il, je meurs de faim. Du reste, la visite ne sera pas longue, il ne faut pas qu'elle le soit. Ce qui a été caché pendant des siècles ne doit apparaître définitivement au grand jour que lorsque vous serez maîtresse de votre royaume. Selon son habitude, il évita toutes les questions sur la façon dont il avait agi. Qu'étaient devenus Jodo et Guillaume? Avait-il des nouvelles du marquis de Talençay? Elle préférait ne rien savoir et se laisser guider. Un instant plus tard, ils sortaient ensemble, et Aurélie, de nouveau bouleversée par l'émotion, appuyait sa tête contre l'épaule de Raoul en murmurant: Oh Raoul, c'est bien cela que j'ai vu autrefois le second jour avec ma mère.